48. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? On parle des 12 tribus d'Israël. Dieu, dans sa souveraineté et selon sa parole qu'il avait dit à Abraham son serviteur, le peuple ira en captivité en Égypte, mais après 400 ans je vais le délivrer. Dieu a honoré sa parole. Au travers de Moïse, il a donné les commandements, il a donné des interdictions et des règles à suivre. Mais les Benjamites, si on lit le verset 19, le chapitre 19, on va se rendre compte sur toutes les instructions que Dieu avait données. Les Benjamites s'étaient détournés. Ils avaient commencé à vivre d'une autre manière, une manière qui n'était pas agréable à Dieu. La Bible parle d'un Lévite. Lévite, c'est le peuple, ce sont les sacrificateurs de Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Le Lévite est allé chercher sa femme qui avait quitté le foyer pour cause d'infidélité. Il se faisait tard. Il cherchait le chemin de retour. Il s'est arrêté dans la maison de Benjamin. Et dans la ville de Benjamin, on a voulu le faire du mal. Il a plutôt envoyé sa femme. On a violé sa femme toute la nuit. Après ça, la Bible déclare, il a porté son épouse, il est rentré à la maison, il a pris un couteau, il a commencé à couper la femme en 12. Il a renvoyé dans chaque tribu. Et lorsque les autres tribus ont vu, ils ont dit ce n'est pas possible. Il a toujours touché à l'interdit. Ils ont touché à l'épouse du Seigneur. Mais lorsqu'on touche à l'église, on a touché à l'interdit. Cette dernière était la femme du Lévite. Elle était partagée à cause de Benjamin. Les enfants d'Israël se sont donc décidés de venger. Ils ont dit on va aller combattre, on va aller venger, on va aller honorer notre Dieu. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont consulté Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu a dit va combattre. Mais la Bible dit, lorsqu'ils sont allés combattre, ils ont eu la défaite. Bien aimé, tu peux prier Dieu. Dieu te dit monte. Mais Dieu arrive là-bas. Tu as la défaite. Au échoué. Toutes les défaites ne viennent pas toujours du monde des ténèbres. Ba défaite mususu se uta kaka kana mokina mokina. Toutes les défaites ne viennent pas toujours du péché. Mbala mususu soko kake meza kaka lisubu. Parce que nombreux d'entre nous, lorsque nous tombons, ou bien lorsque un géant tombe, la seule conclusion, il est tombé dans le péché. Mais ceux-ci n'étaient pas dans le péché. Ils ont consulté Dieu. Ils cherchaient la face de Dieu par rapport à ce qu'ils devaient faire. Parce que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est la parole de Dieu. Ils n'ont pas voulu aller se venger. Ils ont consulté Dieu. Dieu a dit va combattre. Lorsqu'il va combattre, il a la défaite. Il repart vers Dieu. Bien aimé, ce qui est intéressant, ils ne se sont pas découragés. Ils
Ils n'ont pas quitté la présence de Dieu. À cause de la défaite. J'aimerais te dire ce matin. Que le vent contient ne t'éloigne pas de la face de Dieu. Que les difficultés ne t'éloignent pas de la présence de Dieu. Lorsque les vents sont contraires, attache-toi davantage à Dieu. Lorsque les vents sont contraires, consulte davantage Dieu. Rapproche-toi davantage de Dieu. Ils pouvaient se lever. Et si Dieu nous a abandonnés, parce que comment se fait-il? Nous avons prié Dieu. Nous avons gardé les commandements de Dieu. Mais nous avons la défaite dans le combat. Ils ne se sont pas découragés. La Bible déclare qu'ils sont retournés vers Dieu. Ils ont consulté Dieu à nouveau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu le dit à nouveau. Allez combattre. Lorsqu'ils vont combattre, encore la défaite. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Alléluia. Amen. Ce n'est pas une initiative personnelle qu'ils ont pris. Ezalaki na bango mokote o balinga ki basa. C'est Dieu qui les a donné l'instruction. Nzambe na yebisi bango bokende. Mais dans l'instruction de Dieu. Kasi na kati na mibeko na Nzambe. Il y a la défaite. Bango bakeyi bakake. Mais la Bible nous dit que la volonté de Dieu est parfaite. Biblia ezali koloba ete nzoka nde posa na Nzambe yango ezala katango nyonso ya kokoka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est parfaite. Posa na Nzambe ezala katango nyonso malamu. Même dans l'adversité. Ata kati na komekama. Dieu reste Dieu. Nzambe atikala ka Nzambe. Même dans l'épreuve. Kati na komekama. Dieu reste Dieu. Nzambe azali Nzambe. La Bible déclare. Biblia elobi. Il veille sur sa parole. Azali kolanda sima liloba na ye. Afin de l'accomplir. Bona kokokisa yango. Même si tu es tombé. Ata soki okweyi. Dieu n'a pas changé. Nzambe abongwani te. Même si tu t'es renversé. Ata soki okweyaki. Dieu n'a pas changé. Nzambe abongwani te. Le Dieu qui t'a élevé hier. Nzambe atombola ki olobi. Il peut encore le faire aujourd'hui. Akoki pe kosala susu lelo. Peu importe. Eloko moko ya makasi dans la difficulté. Ata kokoso ye. Peu importe. Ata konini. L'épreuve. Okomekama. Peu importe. Ata ko. Dieu ne faillit pas. Je ne choue pas. Je ne déçois pas. Peu importe. Attends. Il dit dans sa parole. Aliluba. Une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Moi, c'est la moi, na même si elle le fait. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Il dit dans sa parole, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Bien-aimé, l'ennemi peut se lever. Mais Dieu est toujours présent. Il y a des moments. Où le silence de Dieu est une réponse. Oyo kozala na kimia na Nzambe zali nde yano. Tu peux crier, Dieu ne répond pas. Okoki kobonde na Nzambe yano lite. Tu peux poser la question à Dieu, Dieu ne répond pas. Okoki pe kobonde na Nzambe yano lite. Bien-aimé, molingami. Le combat de ta vie. Etumba ya bomo ina yo. Chant de fort attaché à ta connexion avec Dieu. Ezali pe kolandisa olenka ni yo kangami na Nzambe na yo. Les onze autres tribus. Ba tribu mususu wana zobi na moko. Oya Israël. On gardait les commandements de Dieu. Bango ba bomi mbe ko na Nzambe. On reprend le cas de Job. Tokotala ndakisa Yobo. Dans Job chapitre 1. Kati na nzela ya ba nzembo mokapo na yambo. La Bible dit que Job était intègre devant Dieu. Biblia ezali koloba ete Yobo azalaki moto na sembo liboso na Nzambe. Alléluia. Amen. Job chapitre 1 verset 1 à 3. Mokanda na Yobo bolo na liboso. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7 fils et 3 filles. Possédait 7000 brebis. 3000 chameaux. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. 500 paires de bœufs. 500 ânes. Un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était plus considéré de tous les fils de l'Orient. Voici un autre homme. Qu'à cause de son rapprochement avec Dieu, il a eu les problèmes. La Bible veut comprendre. Les fils de l'homme.
s'étaient réunis, le diable était là. Et quand le diable était là, ce n'est pas le diable qui remarque Job. C'est Dieu qui dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Des fois, Dieu peut te pointer à tes ennemis. C'est Dieu qui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Le diable dit à Dieu, il est comme ça avec toi. Parce que tu l'as béni. Parce que tu l'as protégé. Depuis, je n'ai pas pu le toucher. Enlève un peu ta couverture. On va voir s'il va encore te bien aimé. Aussi longtemps. Quand les épreuves arrivent et que tu décides de regarder en arrière, je suis en train de trahir Dieu. Ozaliko trahir Nzambe. Parce que Dieu a lancé un défi au diable. Bamba tenzambe a tiki yemoko défi na diabolo. Alléluia. Amen. Dieu dit au diable. Nzamba zaliko psa diabolo. Le voilà, touche tout. Kende simba nyons. Ne touche pas sa vie. Kasiko simba bomo ina ete. C'est un défi entre Dieu et le diable. Wana zali mondenge kati na Nzambe na diabolo. Il fallait maintenant. Et Sengela qui que Job résiste. Et Yobo a télé. Donner gloire à Dieu. Pour na copé sa kembo na. Dans les épreuves. Kati na kokoso. Le diable veut avoir la gloire de Dieu. Diabulu azali wana. Mais si tu résistes. Kasi soki yo télé. Comme la Bible déclare. Comme la Bible établit. Résiste au diable. Télé na diabulu. Il fuira loin de toi. Si tu résistes à l'épreuve. Soki télé meli na. Si tu résistes à la tentation. Télé na mukoneka. La victoire est assurée. Et longa ezali ayo. Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph au kat ndako na Potiphar. La femme de Potiphar est venue. Voilà. Elle a dit à Joseph, couche avec moi. La Bible déclare, Joseph a laissé le manteau. Joseph a tiqué la manne. Il a dit à la femme de Potiphar, je préfère aller en prison. Mais je garde mon Jésus. Parce que sans Jésus, je ne suis rien. Sans Jésus, je ne peux rien. Même si je n'ai pas mangé aujourd'hui, parce que j'ai Jésus avec moi. Même si je suis tombé aujourd'hui, je n'ai pas vendu Jésus. Demain sera meilleur. Joseph, il a dit à la femme de Potiphar, je vais perdre les honneurs. Je vais perdre les honneurs. Nakotika je vais perdre le privilège. Nakotika je vais tout perdre. Nakobosa nyoso. Mais laissez-moi Jésus. Kasibotike la ngaiyese. Bien aimé. Marthe et Marie. Marthe et Maria. La Bible déclare qu'ils étaient assemblés. Bible le Bible sanganaki. Marthe est venue se plaindre. Martha yeko lela. Voilà Marie qui m'a laissé faire les travaux seul. Tala Maria tigana sala misalanga imoko. Jésus lui a répondu. Yesu ayano liye. Elle a choisi la meilleure part. Yeah, ponye loko ya motia. Il ne sera jamais relevé. Oyo bakolongola ete. Ton argent peut s'en aller. Mbongo na yeko yoko kende. Tes enfants peuvent tomber. Bana no bakoyo kokoya. Tes relations peuvent s'évader. La relation na yoko kokoya. Mais la meilleure part c'est Jésus. Kasi moro ya motia ezali Yesu. Il ne sera jamais relevé. Oyo bakoki kolongola ete. Tu as la santé. Mais le diable peut frapper ta santé. Mais lorsque tu as tenu ferme avec Jésus, la victoire est assurée. La femme de Job. Moi si à Job. A dit à Job. Ya yebisi Job. Parce que la Bible dit. Bible lobi. En un seul jour, Job a tout perdu. Job a silis azangi nyoso. Sa femme même est venue vers Job. Moi c'est aye pas une Job. Maudit Dieu est mort. Lobi la quelle année même Job a dit. Dieu a donné. Nzambe a pesi. Dieu a repris. Le abotoli. Même si c'est n'importe comment, je ne maudirai jamais Dieu. Ata soki nini angona ko la quelle année même abete. Parce qu'il savait. Pamata aye baki. Que le même Dieu. Était long qui a donné hier Nzambe a pesa ki lobi est encore capable de donner aujourd'hui a koki pe ko pesa s'appelle sous lelo. Accepte de tout perdre mais refuse de perdre Jésus. Nima ko bungisa nyoso kasi ko bungisa Yesu te. Accepte de tout perdre mais refuse de perdre Jésus. Nima ko bungisa nyoso kasi ko bungisa Yesu. Quand tu as perdu Jésus tu as tout perdu. Soki o bungisi Yesu bungisi nyoso. Bible lobi. Ne soyez pas de ceux qui se retirent. Mais ceux qui se retirent pour leur propre perte. Lorsque l'adversité arrive, on commence à donner des discours. Comme les amis de Job. Ils sont venus dire à Job, tu as tout perdu en une journée. C'est parce que tu as péché. Mais ceux qui n'avaient pas compris, c'est que Dieu avait lancé un défi au diable. Alléluia. Amen. Moïse.
Mose. Lorsque Dieu parle à Moïse au mont Sinaï. Tango nzamba lebeli Mose na ngomba Sinaï. Il dit à Moïse va en Égypte. Ayebi si Mose kende en Égypte. Délivre mon peuple. Kende ko kango lekolo na ngai. Moïse savait qu'il devait arriver en un seul tour, les choses devaient se passer. Mose akasaki na mokolo moko nyonso ekosila. Mais la Bible déclare. Bible lobi. Dieu, lorsque Moïse est arrivé. Tango Mose akomi. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Nzambe akomi sisusu motema falo libanga. Le peuple ne l'aille pas. Pwete ekolo ekende te. Afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Pwete kembo na nzambe monisama. C'est pourquoi la Bible dit. Yango na Bible lobi. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu non, c'est comme la et de ceux qui ont été appelés selon son bon dessein. La Bible me dit Bible le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel le délivre toujours. Ah, si nzamba, tu peux tomber aujourd'hui mais lorsque tu espères en Dieu la délivrance est certaine. La Bible déclare, ceux qui se confient à l'Éternel ne sont pas confus, ni couverts de honte, mais ils couvrent la honte de la tête de ses ennemis. La honte n'est pas ton partage. La défaite n'est pas ton partage. Ce que tu appelles défaite, c'est une victoire devant le trône de Dieu. Dieu ne voit pas selon que nous voyons. La Bible déclare, aussi que le ciel au-dessus de la terre. Le sont au-dessus de la terre. Lorsque la volonté de Dieu veut s'accomplir, la douleur vient. La Bible déclare la femme d'Isaac. Elle avait prié Dieu pour avoir les enfants. Mais sa prière est devenue un problème pour elle-même. Il y a des nations qui se bagarraient. Ta prière peut devenir un problème pour toi-même. Mais espère en Dieu. Il n'abandonne pas. Il ne déçoit pas. Il te relèvera le temps convenable. Lorsqu'elle a commencé à batailler avec les enfants, Nabana. Elle n'a pas fait l'erreur que de quoi nous faisons. Elle est retournée consulter Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé les enfants. Mais je n'ai pas demandé les problèmes. Il n'y a pas d'accouchement sans douleur. Lorsque le temps de l'accouchement arrive, les douleurs commencent à monter. Quand les preuves augmentent, quand la douleur monte, comprends que Dieu est plus proche de toi. Quand les choses semblent impossibles, Dieu devient le plus proche de toi. Dieu va enlever les gens qui te distraient. Les choses qui te distraient pour se rapprocher de toi. Il dit, viens dans le désert, je vais te parler. Il y a des endroits que Dieu peut te parler. Il y a des endroits que Dieu ne te parlera jamais. Parce que tu seras tellement préoccupé de ne pas écouter. C'est pourquoi il dit dans Jérémie 33:3, invoque moi au jour de la détresse, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et à quel moment Dieu annonce des choses cachées? Dans la détresse. Katina passé. Jérémie se trouvait où? Jérémie a zala kiwapi. Dans la prison. Katina boloko. Jérémie se plaignait. Jérémie a zala ekolela. Moi qui te cherche, Seigneur. Namuna luka kayo. Je fais comment pour me retrouver dans la prison? Na sali nini pona zala. Je ne fais du mal à personne. Na sali limoto mabete. J'ai prêché ta parole. Na te akika liloba na yo. Je m'arrête. Bakangi ngai. Mais Dieu lui dit. C'est là selon les hommes. Parce que la chair a les désirs contraires à celle de l'esprit. Selon les hommes, tu es dans les problèmes. Mais selon moi, Dieu, je vais te parler. Dieu utilise toutes les méthodes pour parler. La femme de Job a dit à Job. La femme de Job a dit à Job. Moi si à Job a lobi na eboy. Maudit ce Dieu. Yo lakela ekakamabe. Job a dit jamais. Job a lobi te. Quand les moments difficiles arrivent, dans la famille, on va te dire, vos églises où vous partez la même, je suis même sûr
On commence à mettre les points d'interrogation sur l'homme de Dieu. Quand les problèmes commencent, est-ce que tu es même sûr que l'homme de Dieu là, il est même propre? C'est ce que les amis de Job sont venus faire. Les amis de Job ont dit à Job, Job, tu as péché, repens-toi. Job présente son innocence. Job a tali si beau innocence na ye. Job dit, je suis un tête. Job alobinga na sumukite. Je suis droit. Nazali sembo. Mais ses amis persévèrent. Kasi baninga na ba kokoba. Pendant le moment de l'adversité. Tango na komekama. Il y a la voix du serpent. Ezana mongongo ya satan. Pendant le moment de l'adversité. Tango na komekama. Que le Seigneur ferme tes oreilles. O nzambaka nga kama to ya moto. N'écoute pas le serpent. Fete yo yo ka mokate. Parce que lorsque tu écoutes le serpent. Bamba te nyoka. Le serpent a pour rôle de te détourner de la volonté de Dieu. Nyoka lina posa kolongola na posa na Adam et Eve écoutez le serpent. Adam et Eve. Adam on arrive à Bangou Bayoka Kinyoka. Ont écouté le serpent. Bayoka Kinyoka. Dans le jardin de Dem. Katna ilangane Dem. Et ils sont tombés. Peba Kweyaki. Pendant l'adversité. Tango na komekama. Beaucoup de choses commencent à te parler. Makambo ebele bato ebele bakoma koyebisa wana matoi. Tu es même sûr que c'est Dieu qui t'avait même appelé là? Yondimi penza nzambo kobenga wana. Tu es même sûr que tu es là où il faut? Yondimi penza. Tu es sûr que tu es là où il faut? Ozali penza na kondime tozali esika. Tu n'es pas sûr qu'il faut changer d'église? Quelqu'un viendra vers toi, ils vont te dire non, allons un peu essayer, il y a un fétiche à côté là. Motomoko ayekoye bisawete yakato kenekuta na nganga moko pembeni ya. Abakuka dit. Abakuka lobi. J'étais à mon poste. Na izala ki nesika. La bénédiction te trouvera à ton poste. Les pambole ko ne écoute pas la voix du serpent. Oyokate bomoya nyoka. Sikala esika na yo. Jésus pouvait dire. Yesu akoka ekolo. Ne viens à moi sur le pain de Matthieu. Moko ta yake pa nganga. Si le pain n'est pas tiré dans cette assemblée. Tu n'as pas de place ici là. Mais si tu as permis que tu sois assis ici, c'est parce qu'il a un plan pour toi dans ce ministère. N'écoute pas la voix du serpent. Le serpent va te tirer de la bénédiction de Dieu. Mais reste ferme. Parce que la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. Nebuchadnezzar dit, prosternez-vous. Nebuchadnezzar a le Bible. La Bible déclare, Bible on ne se prosterne que devant Dieu seul. Nebuchadnezzar a dit, personne ne peut me vous délivrer de ma main. Il a demandé qu'on chauffe la fournaise. La fournaise n'a pas effrayé Shadrach. Moto ebangisi Shadrach Meshach. Ebangisi Meshach. Ni Abednego. Ata Abednego. La Bible déclare. Ceux qui ont chauffé la fournaise. Ma oyo bataki moto. Ils sont les premiers être morts. On a lancé Shadrach Meshach et Abednego. Azu Shadrach Meshach Abednego. La fournaise à moto. Parce qu'ils ont eu confiance. Le Dieu la bandimé la tinsambe. L'ange de secours est venu intervenir. Ange loua kamo la kaye. Confiance à Dieu. La confiance dans le secours viendra. La Bible déclare, le secours ne viendra pas de l'Orient, le secours ne viendra pas de l'Occident, ni même du Midi, mais le secours viendra de l'Éternel. Celui-là qui a fait les cieux et la terre, espère en l'Éternel. Paul pouvait dire à Timothée, laisse l'Évangile, que les temps soient favorables, que les temps ne sont pas favorables. Lorsque Aaron Tango Aaron a perdu ses deux fils. Moïse lui a dit, tu n'as pas allé pleurer le deuil. Moïse a lobi na yoko kene koli la bana na yote. La volonté de Dieu. Posa na nzambe. Dieu a dit à Moïse, demande à Aaron. Yebisa alona. De ne pas aller là-bas, qu'il reste au temple. A kene koli la bana na yote ayana tempelo. Mais Aaron était sacrificateur. Aaron zala ki motumbi meka. Mais il a quand même perdu ses fils. Même si tu perds tout dans la vie, accroche-toi à Jésus. Ne te confie pas. La Bible déclare que confiez-vous à l'Éternel. Il ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Regarde à Dieu. Regardez Nzambe. Regardez le roi de gloire. La kakanke, le Seigneur des seigneurs. Il a la solution et la réponse à tout. Ye azalina e ce problème que tu rencontres li a une réponse dans la présence de Dieu. Ezalina e bosalina Nzambe. Ils avaient touché le Lévite. Basimba ki batona lewi. Le diable a touché Job.
Diable a simbi Job. On a tout fait pour que Job lâche Dieu. Basalinyo se peut être Job atika nzambe. Je ne laisserai pas mon Dieu. Alobina kotika nzambe na ngai. Pour rien au monde. Bona eloko moko songolo. La Bible dit Job a dit Dieu a donné il a repris. Bible le bi Job alobi nzambe pesi pas zo. Que son nom soit glorifié. Kombo na ye neto la ma. David dans l'adversité. David. Les livres de psaumes que nous aimons bien lire. Buku oyo ya banzembo toti kotanga. Nous aimons bien réciter. Toyebaka mingi koloba yango. Ont été écrits pendant les moments de douleur de David. Zokande komama kitango ya pasi ya David. Alléluia. Amen. Ça n'a pas été écrit quand David était dans le palais. Ezalaki ekomama kitetango David alaki kati na ndako ya monene. Je vois quand psaume de David quand il fuyait devant Absalom. Banzembo ya David boku na tanga ko kima Absalom. Il adorait Dieu. Azalaki ko gumba melanzambe. L'un des bons secrets. L'un des bons secrets. Moko ya basekele ya kitoko. Face à l'adversité. Liboso na komekama. Le remède c'est pas la prière, c'est l'adoration. Oyo penza kisi ya malamu ezali ko gumba melanzambe. Parce que quand tu montes dans l'adoration. Tango zali ko matakati na ko gumba me. Tu fais honte au diable. Wano zali ko yoki sa satana. Tu dis à Dieu lorsque l'adversité arrive. Oyebi si nzambe tango koko soyaka. Tu continues à Dieu tu es tout pour moi. Ozali ko yebi nzambe ozali nyoso. Tu es mon roi. Ozali mo konzi. Tu es mon ami fidèle. Ozali mo ningano malamu. A qui Dieu te rend no. Na ko kendele so tu wapi. Tu as la parole de Dieu. Ozali na lilo babo mo. Même si aujourd'hui tout le monde m'abandonne. Tu es le Dieu qui est mort à la croix pour moi. Ozali nzambe ko tu es mon roi. Tu es mon roi. Lorsque tu le fais, le diable a honte. Et la gloire de Dieu devient manifeste. Le diable va dire j'ai tout fait pour le renverser. Parce que l'adversité vient te faire sortir de la présence de Dieu. Le diable a pour mission de te détourner du vaudé de Dieu. Mais lorsque le diable vient avec les épreuves, tu te lèves, tu adores Dieu. Il comprend que c'est un combat perdu. Tu as l'enfant qui est malade à la maison. Tu n'as pas d'argent. Commence à marcher en chantant. Personne n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Amen. Job a persisté. Job a kobi. Il a tenu ferme. Imaginez-vous. Kanisa. La femme avec laquelle tu as partagé ta gloire. Moi si oyo o sepela ki na eka mozalaki na bosui. Tu as servi Dieu. O saleli nzambe. Pendant les moments difficiles. Na tango ya pasi. C'est la même qui vient te dire maudit Dieu. Ye wana nda zali ko yebisa wete lakela nzambe mabe. Job n'avait pas d'allié. Yo bazalaki na moninga te. Ses trois amis qui sont soi-disant venus le soutenir. Baninga na emisa to bayaki lokola pona ko sungai. Sont encore venus l'enfoncer. Bango baye ko kotse eli susu. En ce moment. Natango wana, le seul allié de Job, c'était Dieu. C'est pourquoi il a dit à ses amis, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. J'aimerais te dire ce matin, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. À la croix du calvaire, il fut crucifié. Il a rendu l'esprit. Mais la Bible me dit, Bible le il est ressuscité au troisième jour. J'aimerais venir te dire, la Bible déclare, Bible le dans le livre de Juges chapitre 20, nous venons de lire, au troisième jour, na la troisième fois, ils sont allés consulter Dieu. Ils ne se sont pas découragés. La Bible déclare, Bible le ils ont pris le jeûne, ils ont pris la prière, ils ont pris les offrandes, ils ont pris les actions de grâce. Malgré qu'ils avaient déjà perdu le combat deux fois, ils savaient tu as fendu la mer rouge hier, tu as délivré le peuple hier. Il n'a pas changé. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire un amen? Amen. La troisième fois. Balayami Sato. Ils sont encore là. Ils n'ont pas perdu courage. Balemba kite. Ils ont continué à espérer à Dieu. Ils sont allés. Bakei. Dans le jeûne. Katina kokila. Dans la prière. Katina libondeli. Maintenant ils sont allés avec une stratégie. Si c'est ça la différence de la troisième fois. Wanezali bokeseni balayami Sato. La prière. Libondeli. C'est pourquoi la Bible dit. Yangwana Bible dit. Faites en tout temps.
Et en tout lieu, toute forme de prière par l'Esprit de Dieu. Ils avaient utilisé les deux premières fois les mauvaises méthodes. Pour le combat. Parce que la troisième fois, le chiffre 3 qui est le chiffre de l'intervention. Chiffre 3 est le chiffre de l'intervention. Le mouvement des anges est en action. Dieu l'a dit monter. Je vais livrer vos ennemis. Mais pendant qu'ils étaient en train de monter, la Bible déclare, Bible lobby, les Benjamites Batona Benjamin, ont encore tué 30. Bango babomi lususu tukumi sato. Si c'était toi, Sokio, tu devais commencer à dire, mais j'ai même jeûné. J'ai donné mon offrande. J'ai tout fait. Déjà trois fois, Seigneur. Toujours la défaite. Kakakema. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Kasi bango balemba kiti. Ils ont repris courage. Bango basusu makasi. La Bible déclare. Bible lobi. Seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Kaka bango bako grume la récompense. Si tu t'arrêtes en route. Soko tuki na nzela. Même si tu as servi Dieu avec ferveur, tu n'as pas de récompense. Ata soko sala ki nzambe na molende okozali futi te. Parce qu'il fallait jusqu'au bout. Foko kene kito na suka. Le peuple d'Israël ont compris. Et colonel Israël basosoli. Il fallait aller jusqu'au bout. Et segale ko kene kito na suka. Ils ont continué le combat. Bakobi na etumba. Et pendant qu'ils continuaient le combat. Bamba laki koko bana etumba. L'ennemi disait, c'est encore comme la dernière fois. Bien aimé, l'adversité, la défaite, c'est pour conforter ton ennemi. Alléluia. Amen. Parce que quand l'ennemi a la victoire, une fois la victoire, deux fois la victoire. Lorsque tu reviens combattre, il va te dire c'est un perdant. Il ne peut rien faire. Toutes les autres fois qu'il a essayé, il est tombé. Mais il ne savait pas que c'était la troisième fois. La troisième jour, Jésus est ressuscité de mort. Il ne savait pas que c'était la troisième fois. Joseph a été jeté en prison. Après trois ans, il fut sorti de prison. Il ne savait pas que c'était la troisième fois. Lorsque Moïse, Jésus, il a commencé son ministère à 30 ans. Il ne savait pas que c'était la troisième fois. Il ne savait pas qu'en ce moment les aveugles devaient voir. Il ne savait pas que les malades seront guéris. Les paralytiques devaient marcher. Ils n'avaient pas compris cela. Ils étaient habitués à la doctrine des pharisiens. Mais lorsque le foi entre en action, il y a un changement. Et le 3 qui entre en action, c'est Jésus. Lorsque Jésus entre en action, je suis venu ce matin. Nous sommes en 2023. Le 3 est entré en action. Tant ta vie, tu connaîtras un changement. Tant ta vie, tu connaîtras une élévation. Tant ta vie, tu connaîtras un changement. Les désordres de Dieu. Quand tu as dit à Israël, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les vivrez plus jamais. Les défaites de Dieu, les défaites de Dieu, vous ne les vivrez plus, je ne les vivrai jamais. Parce que le 3 est entré en action. Le 3 est en mouvement. Le 3 est en mouvement. Lorsqu'il est en mouvement, l'atmosphère change. L'atmosphère change. L'atmosphère. Oh, atmosphère est allée comme bon moi. Les pleurs se changent en rire. Parce qu'il dit dans Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle pour la délivrance, pour donner un vêtement de joie, l'un des vêtements de deuil, une nouvelle ce matin. Parce que quand le 3 entre en action, l'onction est en mouvement. Le ciel est en mouvement. L'eau est ningani. Et la délivrance s'opère. Ce matin, je suis venu t'annoncer. La délivrance vient dans ta maison. La délivrance vient dans ta vie. Une victoire certaine vient vers toi. Une victoire certaine vient vers toi. Et l'on est allé qui a toi, yo,
qui avait reçu les blocages de célibat. Le droit et en action. Trois les liens de célibat sont tombés. Pendant le chômage persécuté. Le droit et en action. Trois la victoire est ton partage. Toi qui avais le refus de visa. Yo, ma le visa est accordé. Visa est toi qui ne vas rien faire. Yo, parce que le droit est en mouvement. Yo, la troye bandi dans le droit est en mouvement. Dans le droit est en mouvement. Le ciel s'est mis en mouvement. Lole bandi dans le ciel est en mouvement. Dans le ciel est en mouvement. Et Zali Boyo qui m'a bondé. Bible le Bible. À l'âge de 30 ans. Nambula que Jésus a levé Jean-Baptiste. Tango Yesu qui pas Jean-Baptiste. Pour être baptisé. Le ciel s'est ouvert. Lole lorsqu'il a commencé à prier. Tango bandi la colombe est descendue. Zokande ebenge kiti. La colombe qui était partie depuis le temps de Noé est revenue au temps de Jésus. Et benga oye kenda ka utona tango na Noé et songi na tango na mbo ya Jésus. Nazali komona moto. La famille avait perdu une bénédiction. Na kata limota lo pamboli. C'est 16 ans. C'est ta saison. Et allez des saisons. Tu dois vivre cela au nom de Jésus. Okobika yango na kombo la Yesu. Le ciel est ouvert. Pambate lole pour moi. C'est ta saison. Et allez saison na yo. C'est ta saison. Et allez saison na yo. Lorsqu'il s'est prosterné. Lorsqu'il s'est prosterné, Tangwa Gumba Meli. La Bible déclare. Bible lobi. Le ciel s'est ouvert. Lola efongwami. Le ciel n'est pas rien que resté ouvert. Lola etikalika kaka kofongwami. Le ciel a relâché la colombe. Lola kitisi ebenga. Et lorsque la colombe est descendue. Tangwa ebenga kiti. Et le ciel a parlé. Lola pe lobi. Quand le ciel a parlé. Tangwa lola lobi. Il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Oh azali mwana nanga ya likinga. Ce matin. Na tongo na lelo. Le ciel parle à ta faveur. Lola azali koloba po na yo. Ce matin, le ciel parle pour ta bénédiction. Le ciel parle pour ta promotion. Le ciel parle pour ton élévation. Le ciel parle pour ton mariage. Le ciel parle pour ta gloire. Tu vas monter. Tu vas monter. Okomata. Tu vas monter. Okomata. Parce que nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023. Le droit est en action. Droit et c'est bandi makambo. Tu dois monter dans le nom de Jésus. Au Seigneur, Okomata na kombo na Jésus Christ. Qu'est-ce qui t'avait arrêté hier? Oh, et le message au lobby. La colombe est de retour. Kasi ebengesi ezongi. Qu'est-ce qui t'avait arrêté hier? Nine kanga ke lobby. Si à ton voisin la colombe est de retour. Yebi sa voisin a été colombe se ezongi. La colombe est de retour. Colombe tango ezongaka. Il y a la gloire. Ezalaka na kembo. Hey bro, sanda yaba. Hey ya baba. Quand la colombe est de retour. Tango ebengesi kozonga. Il y a le sauchement. Ezalina koyana na lion de Dieu. Tango ebengesi kozonga. Les lames sont essuyées. Mai ami zali kokota. La colombe est de retour. Tango colombe zali kokota. L'élévation devient certaine. Connaître la mezali koya. La colombe est de retour. Tango ebengesi. Les chaînes de prison se brisent. Ma brisseur, la colombe est de retour. Les portes s'ouvrent. Et ce matin, je suis venu t'annoncer. La colombe est de retour. Et tes bénéficiaires zongi. Qui peut encore t'arrêter? Nani à côté les messieurs le sus. Rien n'a arrêté Jésus. Et le côté était les messieurs à Jésus. La Bible déclare. Bible lobi. Ils ont perdu 30 hommes. Bango babungi se bato tuku misato. Mais ils ne savaient pas que c'était un chiffre prophétique. Bango baya baya kiteke motango ne zalaki pe motango ya ya prophétique. Le 3 une nouvelle gloire. 3 kembo mosusu. Jésus a eu 3-3. Yesu alobaki 3-3. Yesu zalaki na mbula 33. Le premier 3. 3 ya liboso. Au début de son ministère. Na ebandeli ya mosala na ye. Il a connu la gloire. Oya monaki kembo. La Bible déclare que sa renommée partait de partout. Sa renommée a de partout. Bible dit que le bâtiment sangonaye kenda ke sekanyo. Mais Jésus savait. Kasi Yesu ayebaki. Qu'il était en mission sur la terre. Et alaki na mission wana mokili. Il avait un objectif précis. Azalaki na mission moko ebani. Le deuxième croix se manifeste à la croix. Ya misa te kokisami kat na kulusu. Lorsqu'il arrive à la croix. Tangwa komi na kulusu. La croix n'est pas restée au sol, la croix fut élevée. La croix n'est pas restée au sol, la croix fut élevée. Et kulusu ezali esika oyo batelemisaki. C'était la deuxième dimension de l'évasion. Ezalaki epime la mibale ya lesango malamu. La première dimension c'est lorsque Jésus marchait sur la terre. Epime la lesalaki tango Yesu alikota ngwa na mokili. La deuxième dimension. Ya mibale. C'est lorsqu'il était élevé à la croix. Ezalaki tango aneto la makine kulusu. Parce qu'il était élevé à la croix sur la montagne. Pamba tebelo ibiete ye batombola kene kulusu likolo na ngomba. Ceux qui ne pouvaient pas le voir le voyaient. Ataba to bakoya ko bona ete basengana ko mona ye. Ça c'était le deuxième 3. Wale dala ki epime lo mibale. Le troisième 3. Ya misato. Lorsqu'il est arrivé. Tango akomi. On l'a descendu de la croix. Bakiti se ne kulus. Il fut renvoyé dans la tombe. Bake ko chai kat na nkunda. On a dit. Balobi. Selon les pierres. Kolande sa. Cet imposteur. Oyo moto oyo mabe. A dit. Alobi. Il doit résister le troisième alors, jour. Alobaki akoseka mo kolona misato. Allons. Al bongo. Mettons les pieds, les chaînes et les gardiens. Tout chapena libanga monene ba chaîne na babate.
Ils ont mis trois éléments. Batie batomi sato. Sur le tombeau de Jésus. L'icône et nkunda ya Yesu. La pierre. Batie libanga. La chaîne. Batie mignololo. Et le gardien. Batie na babate. Ils ne savaient pas que le croix était en mouvement. Baye bagite te trois pèsa la kinakati. Ils n'ont pas compris que c'était la prophétie qui s'accomplissait. Baye bagite te la kiné prophétie. Il fallait que trois soient réunis. Trois et sanga Dieu le Père. Tata. Dieu le Fils. Mwana. Dieu le Saint-Esprit. Le Dieu. Zambé. Dieu c'est le Dieu d'alliance. Zambé le Dieu d'Abraham. Zambé Abraham. Le Dieu d'Isaac. Zambé Isaac. Le Dieu de Jacob. Zambé à Jacob. Lorsque Dieu a fait entrer Abraham à Canaan. Tango Zambé a consacré Abraham à Canaan. Le premier à Canaan. Il est arrivé à Bethel. Il est resté à Bethel. Il a bâti sa tente. Lorsque Jacob fuyait devant son frère Esaü, il est arrivé à Bethel. Jacob était la troisième génération. Lorsqu'il arrive à Bethel, il a pris un morceau. Il a déposé la tête. Le ciel s'est ouvert. Il a vu l'échelle. Les anges ont commencé à monter. Parce qu'il y avait trois, il y avait la lance. L'alliance de croix. Alliance à Misato. Lorsque l'homme est créé, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand il dit faisons, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. L'homme a été créé, l'homme a été créé le sixième jour. Qu'est-ce que la Bible me dit dans le troisième jour? Le troisième jour de la création. La Bible déclare, Dieu a séparé. Dieu a séparé la mer avec les eaux. Lorsqu'il a séparé la mer avec les eaux, il a rendu la mer, la terre, toutes choses fertiles sur la terre. Parce que c'était le troisième jour de la création. Il fallait que la production commence. Lorsque le troisième jour arrive, la production devient automatique. Ce que tu forçais hier, quand le chiffre 3 est activé, tu ne forces plus. Les choses se mettent en mouvement. Les fiançailles que tu bagarrais hier, quand le chiffre 3 activé, les fiançailles devient automatique. Mais ça te le colle comme il y a un bandit. La demande d'emploi devient automatique. Parce que le troisième jour, Dieu a béni la terre. Il a demandé à la terre de produire. La Bible dit quoi? Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. La terre qui fut bénie, c'est qui? C'est toi. C'est la terre qui fut bénie. Et elle est formée de quoi? Selon la Bible, de terre. Yomutu basala kyo na mabele. Donc ça veut dire le troisième jour. Il ngolo ba été mokola mesa. Tu as été béni déjà. O pambola maki déjà. C'est pourquoi Éphésiens dit. Yango wana. Vous êtes béni de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ bien avant la création du monde. Bo pambola mina ma pambola minyo so ka na Yesu Kristo ma so. La bénédiction existait déjà. Parce que Dieu avait déjà prévu. Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix, de prospérité pour un avenir meilleur. Et non de malheur. Dieu dans le chiffre 3. Le chiffre 3 c'est l'accomplissement. La Bible dit dans le livre de Luc. Le premier jour de la semaine. Marie et Marthe allaient au tombeau. Pour embaumer Jésus. Mais Jésus avait déjà été embaumé par un parfum de 300 000. Nous avons Yesu basiba bomba qui est parfait à 300 000. 300 deniers. 300 deniers. Parce que la Bible dit. Bible est allée koloba. Lorsque je suis arrivé, une femme a pris le parfum. Tango Yesu a koma qui moi a caché le parfum là versé sur ses pieds. A bomba qui paye dans ma colo. Si manango. Il ne fallait pas faire le gaspillage. A lobi le Judas lobi. Où est-ce qu'elle est maintenant? Il fallait bon vendre le parfum à 300 deniers. Côté kayango na 300 deniers. On avait de l'eau pauvre. Donc le chiffre 3 c'est également le chiffre de l'assistance. 3 les sous c'est le chiffre de l'assistance. Judas les pauvres. Judas linga qui a quelque chose. Par la vente de parfum. Pour à quel côté ka? Le parfum de Marie et Marthe. Le parfum de Marie et Marthe. Parfum à Marie et Marthe. Ne correspondait pas à la prophétie. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas embaumer le corps de Jésus. La Bible déclare. Elles Bible sont arrivées au tombeau. Elles se sont posées la question. Mécaniseli. Qui nous roulera la pierre? Nana la Bible déclare. Lorsqu'elle s'est approchée. De loin. Namosika. Elle a vu la pierre rouler. Ba moni et libange si balongolaki. Un ange était assis sur la pierre. Anze lo afani likolo libanga. L'ange est venu le dire. Anza ekoyebisa bango. C'est Jésus que vous cherchez? Yeso boko luka. Il n'est plus ici. Asali susa wate. Il est ressuscité. Asekui. Il vous avait dit. Ayebisa kibino. Qu'il va naître. Akobota ba. Il va travailler. Akosala. Il va mourir. Akokufa. Et il va ressusciter. Pe akosekwa. Sa parole est accomplie. Lilobango kokisa. Donc Jésus n'est plus ici là. Yeso azali susa. La tombeau le tombeau.
vide. Tombe la Bible déclare. Bible lobby. L'ange leur a dit. Ange à l'obis. Venez, je vais vous montrer. Pour avoir la confirmation. Bon bien aimé, si tu n'as pas l'évidence de l'évangile, il n'y a pas de témoignage. Bolinga mi soki na no nimisi o nimisa mité na katawe salame na tumana ange lobi. Tiens, je vais te montrer. Yaka na kokota sa yo. Il est couché ici là. Simbao. Le premier jour. Moko na liboso. La terre a arrêté. Mabele bomba. Le deuxième jour. Yami balé. La terre a arrêté. Mabele bomba. Mais le troisième jour. Asi ami sato. Il est vainqueur. Azali molongi. La terre a vomi Jésus. Mabele sanzi Yesu. Le poisson a vomi la Jonas. Le lenge misi troisième jour. Jonas t'aime qu'on nous sato. Sommes au troisième jour. Nous allons qu'on l'aime tout ce que la sorcellerie avait arrêté. Oh Nesso qui nous kekangaki. Ta maison. Nanda kona yo. Tout ce que les sorciers avaient arrêté. Oh Nesso bando qui bakangaki. Sur ma terre. Na lelo. Je l'ai vomi au nom de Jésus. Et sans abîme à quoi on a Yesu. Nous sommes au troisième jour. Nous allons qu'on l'aime sato. C'est un temps. Une saison. Où ce que Dieu a dit doit s'accomplir. L'ange a dit. Ange a lobi. Il a dit. A lobi. Il a accompli. A kokisi. La Bible dit. Bible lobi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Zambazali motote pona kokosa. Ni le fils de l'homme pour se répandre. Tumana na motote pona kobongo la makanisi. Ce qu'il a dit. Oh ya lobi. S'accomplira certainement. Et kokokisama solo. Lorsque Abraham. Tango Abraham a attendu la promesse. Ayoki Malako. Il était assis devant sa maison. Afana kibosona ndako na. Lorsque le chiffre 3 s'est approché d'Abraham. Tango chiffre 3 est posé dans libosona Abraham. L'accomplissement de la promesse. Koko kisama ya Malako. La Bible dit que les anges, les trois anges marchaient vers Abraham. Bible zali kolobete banze lobo to makota mo libosona Abraham. Et Abraham les a pressés d'entrer. Abraham a bondé le bango bakota. Lorsqu'ils sont entrés. Tango bakoti. Abraham les a donné à manger. Abraham a pesé bango bile. Mais il y a une chose qui me surprend. Kaselo komo ko se pesa. Trois anges sont entrés chez Abraham. Trois anges sont entrés chez Abraham. Banjolo misato bakote pa Abraham. Mais deux anges sont sortis. Mi balé babimi. Pour aller à Sodome et Gomorrhe. Bonako kenda na Sodome na Gomorrhe. Où était passé le troisième? Ya misato atikala kiwa. Il fallait s'assurer que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Et sengela ki kondi mesa mete onzamba lobi ekokisa mayango wana. C'est pourquoi? Yango wana. Le troisième ange qui est resté. Ange de misato atikala ki. C'est le Saint-Esprit qui est resté dans la sur la terre. Ezali molimo mosanto atikali na mokili yawo. Parce que Dieu. Pamba tenzambe. Il est dans les cieux. Azana lola. Jésus a dit, yes, si je ne m'en vais pas, so keite, je n'enverrai pas le Saint-Esprit, le Consolateur. Lorsqu'on parle de Consolateur, on parle de celui qui vient donner le repos. Consolateur, Jésus dit, je vous donne ma paix. Yes, pas comme le monde la donne. Je m'en vais au Père. Il est retourné au Père. Il a laissé le troisième ange. Le troisième ange, c'est le Saint-Esprit. Pour accomplir la parole de Dieu. La parole que tu as reçue de Dieu ne jouera pas. Cela connecta son accomplissement. En cette année, je suis venu t'annoncer. Nous sommes en 2023. Tu connectas un succès phénoménal. Tu monteras dans la gloire. Tu connectas la victoire. Au nom de Jésus. Lorsqu'ils sont arrivés à Bethel, tango bakomina Bethel, là où l'alliance était faite. Et si l'alliance est salamaki avec Abraham. Et l'on a Abraham, avec Isaac, na Isaac, avec Jacob, na Jacob. Ils sont venus au lieu où Dieu l'attendait. Baye na esekon zamba kita. Lorsqu'ils sont arrivés, tango bakomi, Dieu a donné la stratégie pour la victoire. Pese bango stratégie. La Bible déclare. Balobi bo na kata Bible. Ils ont détruit les fils de Benjamin. Bango ba bomaki bana ya Benjamin. Ayara bro sende yebaga da satan. Ce matin, na tongo na lelo. Tes ennemis seront détruits. Bangola na yo bako koisa. Parce que tu es dans un lieu où le ciel est ouvert. Bamo to ali na esika o la esa. Ceux qui veulent ta perte vont tomber. Ba ono so parce que le ciel est ouvert. Tu es arrivé à la saison où Dieu t'attendait. Tu es arrivé au lieu où Dieu t'attendait. Quand tu es là où Dieu t'attend. L'accomplissement des promesses automatiques. La victoire devait être automatique. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Jésus a tout accompli à la croix. À la croix du col du calvaire. Il s'est écrié. Tout est accompli. Tout est accompli. Nyonso ekokisami. La parole de Dieu pour ta vie. Lilo balanzambe pona yo. Accompli. Ekokisami. Ne bagarre plus. Kobunda susute. Ne pas plus prier comme quelqu'un qui cherche la victoire. Kokenete kobunda lokola moto akolukelonga. Pas prier étant conscient que tu as la victoire. Yo sambela na boye beto zali molongi. Parce que nous sommes les acquis de la promesse. Bamba to zali ba oyo bana na bilaka. Nous sommes une génération où nous n'attendons plus l'avènement du fils de l'homme.
Tozali sous la génération Totako de l'avènement à Mwana Moto. Le fils de l'homme est déjà arrivé. Mwana Moto assis à Yaki. Il a fini sa mission. Assis ici, Mosala. À la croix, il a tout accompli. Ce que tu cherches, commence à parler comme si tu avais déjà. Pourquoi la Bible déclare la Bible lobby. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Le monde peut dire le Congo est difficile. Congo est à passer. Il y a le chômage. Et toi, quand tu marches, tu répètes AGT 8. L'or est à moi. L'argent est à moi. Je suis béni dans le nom de Jésus. Quand quelqu'un te dit qu'il n'a pas encore d'enfant, il faut le regarder. Et tu lui dis dans la Bible, il est écrit il n'y aura point de stérile en Israël, ni d'avortement. Lorsque quelqu'un te regarde, il dit l'âge est avancé. Je dis tu es toujours célibataire. Il faut lui dire. La Bible déclare que chaque femme est son mari et que chaque mari aime sa femme. La Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mon aide semblable est déjà là. Quelqu'un m'avait dit un jour que si je ne t'aide pas, qui va t'aider? Je l'avais regardé. Nathalie. Toi, ton aide est limitée. Ceux qui ont voulu porter mes fibochettes. Bah, oh, bah, qui luka, mema, mes fibochettes. Ont rendu mes fibochettes handicapées. Bango va commencer qui mes fibochettes handicapées. En interdisant ainsi. La place sur la table du roi. Et sika na ndako na mokonzi. Parce que la loi avait été dit en Israël. Pambate mobeko lobaki. Aucune personne qui a une malformation. Bah, kakatani. Ne peut s'asseoir sur la table du roi. Ils ont voulu aider Mephibosheth. Mais ils l'ont plutôt privé de la bénédiction. N'attends pas le secours d'un homme. La Bible déclare maudit soit l'homme qui se confie à un homme. Fais-toi ta confiance en Jésus. Quand tout va mal, regarde à Jésus. Saül a été rejeté, pourquoi? Lorsque Samuel est venu vers lui, Samuel a eu il lui a dit qu'est-ce que tu as fait après qu'il ait offert le sacrifice. Il a répondu à Samuel. Samuel. Le peuple s'éloignait de moi. Bien-aimé. Quand tout le monde s'éloigne de toi, quand tout s'éloigne de toi, Dieu se rapproche de toi. Quand tout s'éloigne de toi, Dieu se rapproche de toi. N'aie pas peur de ce que tu vas perdre aujourd'hui. La Bible dit, n'ayez pas peur de ce que vous allez souffrir. Jésus, lorsqu'il a commencé à dire à ses apôtres, je vais aller en Jérusalem. Je serai livré, je serai tué. Pierre lui a dit jamais de la vie. Il lui a dit c'est ma mission. Et la Bible dit, si celui qui veut être mon disciple se charge de sa croix et me suive. Siméon a voulu aider, on a voulu que Siméon aide Jésus à porter la croix. Il n'a pas pu porter la croix de Jésus. Bien aimé, quand tu es dans la maison de Dieu, ferme les oreilles à la voix du serpent. Tu es venu, comme les Ivoiriens disent, nous sommes venus en détail. Tu es venu seul. Ton problème n'est pas le problème de ton voisin. Saül et Jacob. Saül na Jacob. Ils étaient des jumeaux. Bazalaki ba ba. Le problème de Saül n'était pas le problème de Jacob. Kasi esengoya Shaul ezalaki ya Esaü ezalaki ya Jacob te. Alléluia. Amen. Même si c'est ta mère. Atakoza mama na yo. Il y a une maman qui m'avait amené au ministère du prophète majeur Gaston Flamme. Quelques temps après, elle allait voir un charlatan. Je parle de charlatan, c'est un prophète là qui passe le temps à dire que les autres sont les faux. Nazali koloba banganga bato ba sali na zambo ba lobaka makambo lokuta. Et elle revient me dire. Aye koyebisangai. Parce que quand je suis arrivé là-bas, j'étais déjà pasteur.
Et je priais pour elle. Elle me dit, pasteur. Alors, bien, pasteur. Le ministère où tu es là-bas. Le ministère aux Awana. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'en ce moment, il y avait quelques séries de décès à l'église. Elle m'a dit, il n'y a pas Dieu là-bas. Je lui ai déjà compris. Après, je l'ai regardé. Après, Nathalie. Elle ne venait plus. Après, elle me dit, après, lobby, l'homme de Dieu va te prendre, il va te mettre dans ces choses. Je lui ai répondu, si l'homme de Dieu fait la sorcellerie, ceux qui m'ont demandé d'aller quitter la kindoki, et que sa sorcellerie me bénit, et que les kindoki n'est pas capable de l'engager, qui le manque encore? Alléluia. Amen. Qui le manque encore? Il fait encore plus de sorcellerie parce que ça me bénit, ça me fait du bien. Ah, bah, c'est les sous kindoki en gros pour pas l'engager. Alléluia. Amen. Et c'est le seul est parti. Atiki pakei. Elle avait oublié que le même ministère avait donné le voyage à ses enfants, le travail à ses enfants, tout. Et puis elle est partie. Directement, elle a commencé à appeler aussi les gens qui me connaissaient. Elle a dit à ces gens, ce gars est devenu faux. Il est parti s'associer avec les sorciers. Tout le monde a commencé à partir. Les soutiens. Les sungi. Les amis. Baninga. Parce que quelqu'un avait dit, je suis sorcier. Mon épouse me dit, tu vas faire comment? Je lui ai dit, t'inquiète pas. La loi de la seconde maison est toujours plus grande que la première. Ils sont partis. Mais il y a la seconde loi qui est encore là. Alléluia. Amen. Laisse ceux qui veulent partir, partir. Mais toi, tu sais ce que tu es venu chercher. Même si le vent souffle, reste là. Assieds-toi. Ne bouge pas. On va dire n'importe quoi du pasteur. Il faut dire que aller encore demander même. Tu reviens vers papa, tu dis que papa, fais encore la sorcellerie là. J'ai encore besoin de ça. Parce que le niveau de bénédiction là, c'est la maison de Potiphar. Amen. J'ai besoin d'entrer dans la maison de Pharaon. Donc si ta sorcellerie, tu peux augmenter que tu m'amènes chez Pharaon. Amène-moi là-bas. Parce que chez Potiphar, je suis esclave. Chez Pharaon, je suis libre. Et pas à Pharaon d'Alim. Bien-aimé, Malingami, en cette année, Nambula Oy, le Seigneur te bénit au nom de Jésus. L'année 2023, pour la 2023, tu réussiras. Au Kolonga, tu seras élevé. Au ce qui t'a résisté les années antérieures, ce qui t'a résisté les années antérieures, cette année, Oy, tu connaîtras un succès au nom de Jésus. Au Kolonga, je voulais que la couronne nous chante un chant. Yeshua gaimi kolonyoso. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Pendant que tu acclames pour Jésus, le miracle de Dieu vient dans ta direction. Pendant que tu acclames pour Jésus, une percée extraordinaire. Yesu anga wa mikolo nyoso ye ayebi bomo inanga atana butu atana moyi Yesu anga wa mikolo nyoso atana salina papa nanga atana salina mama nanga akolinga ngate lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyoso. Même si ma mère m'abandonne mon père. Alléluia. Atana zalina papa nangai. Atana zalina mama nangai. Akolinga ngate chante avec lui. Yesu anga wa mikolo nyoso. Yesu wanga wa mikolo nyoso ye aye bibomo inanga atana busu atana moyi Yesu wanga wa mikolo nyoso
Ata nazali na tata nanga Ata nazali na mama nanga Akoli nanga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo Les relations peuvent m'abandonner Le travail peut me laisser Tout peut m'abandonner mais toi Jésus Ata nazali na papa nanga Ata nazali na mama nanga Akoli nanga te lokola Yesu Les dons spirituels peuvent s'arrêter. L'onction peut s'arrêter. Mais ta présence, Jésus. Aïe, le prince. Yesu anga wa mikolo nyoso. Yeah, ebi bombo inanga. Atana butu atana moi Yesu wanga wa mikolo nyoso Atana zalina papa nanga Atana zalina mama nanga Makolinga ngate lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyoso La Bible dit dans le verset 48 du Genèse, de Juges chapitre 20. Bible Zali Kolobabwe na Kasa. Dieu a donné la victoire à Israël. Nzambe a pesi elonga na Israël. La Bible dit dans Job. Bible Zali Koloba na Yobo. 42 verset 10 à 13. 42 molongo na Job. Dieu a restauré Job. Nzambe a zongisela Job. Ce que tu avais perdu. À cause des difficultés, à cause de l'adversité, ce matin Dieu te le restaure. Ce matin Dieu te le restaure. Tu as la victoire au nom de Jésus. Tu as la victoire dans le nom de Jésus. Tu as la victoire dans le nom de Jésus. Le Dieu de gloire, le Dieu de force, le Dieu de puissance, le Dieu des esprits de prophètes. Ce matin, tout ce que ta maison avait perdu, ta famille avait perdu, tes frères et sœurs avaient perdu. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Tout ce que ta maison avait perdu, tes enfants avaient perdu, la santé qui était allée. La santé qui était allée. Santé ou Kendaki. Les problèmes qui s'étaient installés. Bama Kamboué Yak. Ce matin. Natongo na lelo. L'onction de Dieu. Et Pakola Minanzambe. L'onction de Dieu. Et Pakola Minanzambe. Te restaure. Parce que le ciel parle pour toi ce matin. Le ciel parle pour toi ce matin. Ce matin. Le Dieu de gloire. Le Dieu de force. Le Dieu de puissance te restaure. Le Dieu d'Abraham. Restaure ton foyer. Le Dieu d'Isaac. Restaure tes affaires. Le Dieu de Job. Restaure ton ministère. Tout ce que tu avais perdu. Le Dieu de la seconde gloire te restaure ce matin. J'arrête la plaie. J'arrête la plaie. J'arrête le saignement. Dans le nom de Jésus. La victoire est ton partage ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Célèbre Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Regarde Dieu. Si tu n'as pas une raison de célébrer Dieu ce matin, regarde la vie. Regarde la santé. Regarde ce qu'il t'a donné. Il t'a donné son fils. Ce matin, on va faire honte au diable. On ne doit pas chasser les démons, mais on va célébrer Dieu. On va élever le nom de Dieu. Parce que la Bible déclare que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, la gloire descendra. Jésus. Yahweh,
Nani, nani, nani. Nanya zanga, ponga na koma mocha bozi. Nanya mona pasi, ponga na zongoli. Nanya zanga, ponga na koma mocha bozi. Nani, nani, nani. Amina sembola loboko. Sembola loboko na wo. Sembola loboko. Tonga lelo ngana mona yo. Amina sembola loboko. Sembola loboko na yo. Sembola loboko. Tonga lelo ngana mona yo. Nani nani nani. Nani nani nani. Nanya zanga ponga na koma mota bozi. Nanya mona pasi ponga na zangolu. Célèbre le roi de gloire. Refongo la mère na mère rige. Bache bache tape baleta. Amina. Vende spécialiste ba pote zanga ba kleba seyu na mai. Pena ba mili. Amina. Au commissaire, colo, cuisine, pe boulangerie, et siga, la mamane. Amina. La menaye, ba commando, ba sauterelle, ba généreux. Selon Joël de 25. Amina. Amina, koti, sata, bangona, bitumbango. Bonabouni, pe mini. Amina. Longi, sanga, yo. Amina. Tango ya moyo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sembola leboko, sembola leboko na yo, sembola leboko, tonga lelo ngai na mona yo. Amina sembola leboko, sembola leboko na yo. Nani nani nani, nani. Le Seigneur, le Seigneur, c'est toi. Personne n'est comparable à toi, Jésus. Dieu Yahweh Jireh, Yahweh Shammah. Le prince de paix, l'agneau immolé, le ressuscité du troisième jour. Nous célébrons ton Saint-Nom ce matin. Dans l'Assemblée des Saints, nous savons que tu es Dieu. Nul d'autre n'est comparable à toi. Nul d'autre n'est semblable à toi. Tu es l'unique Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tango ya moyo. Tango molimo. Tangwa mafuta, tangwa bikamwa, amina sembola leboko, sembola leboko na yo, sembola leboko, bucha lelo ngana mona yo, amina sembola leboko, na beteza na wime lipe mingi. Tu es le oui et la mène. Le oui et la mène. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Demain lundi, Lobi Mokola Yambo. Nous sommes le 30. Tozali Mokola Tukumisato. Le chiffre 3 revient en mouvement. 3 et Zokota Lissoussou. À partir d'aujourd'hui, le 29 de l'année 2023, les difficultés d'hier, tu ne les verrais plus jamais. Les combats d'hier, tu ne les verrais plus jamais. Le Seigneur te donne la supériorité sur tes ennemis. Le Seigneur te donne la supériorité sur l'adversité. La victoire est ton partage. Gembezali ayo. Partage selon le nom de Jésus.
Tu as la victoire sur la sorcellerie. De la maison de ton père. De la maison de ta mère. En cette année 2023. Tu as la victoire. Aucune chaîne ne pourra plus te retenir. Aucune prison ne pourra te retenir. Aucune malédiction ne pourra te retenir. Là que les ordonnances nous condamnaient. Jésus-Christ a triomphé de la croix. Tu as la victoire. Victoire dans le nom de Jésus. En cette année, Moula Oyo, tu vas toucher le miracle de Simba Dieu. Tu vas toucher la faveur de Dieu. Tu vas toucher la grâce de Dieu. Simba tout interdit dans ta vie. Est enlevé. Et l'ongolami. Tout décret satanique. Je viens l'effacer. Avec le sang de Jésus. Les décrets de la mort. Les décrets de l'échec. Les décrets du célibat. Les décrets de l'échec. Les blocages. Et la stagnation. Ce matin, les décrets sont effacés. Avec le sang de Jésus. Tu as dit à Moïse. Moïse. Prends la table. Toi tu as brisé. Remonte. Mata. Je vais encore écrire. Ce que tu avais écrit hier pour toi. Ce matin, le doigt de Dieu crie encore. Amen. Même si la sorcellerie avait détruit, le doigt de Dieu crie encore. Le doigt de Dieu crie encore. Il a dit à Moïse. J'ai écrit la première fois. Ça a été cassé. Reviens. Je vais encore écrire. Tu as encore écrit. Ce matin, une nouvelle page s'ouvre pour toi. Une nouvelle page s'ouvre pour ta vie. Une nouvelle page pour ta maison. Une nouvelle page pour ta carrière. Pour ta destinée. Pour tes études. Une nouvelle page s'ouvre. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et te l'enzambé, ma boko. Ma boko, ma boko, ma boko. Nous avons ton nom, ton nom.